Lâche un gros like, ma gueule. Il faut savoir que ces vidéos de l'armée, c'est vrai, ça arrive à l'armée, mais c'est pas tout le temps comme ça. Faut pas tout mettre dans le même sac. Le but, vraiment, c'est pas de véhiculer une mauvaise image de l'armée. Parce que l'armée, il y a des trucs ultra sérieux, ultra bien. Il y a des gens très qualifiés qui donnent des instructions vraiment bonnes, très bien, qui sont à fond dans ça. Et qui voient peut-être moi, en tant que petit connard, regarder ça et me moquer et rire de l'armée. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que je pense. J'espère que c'est pas comme ça que vous pensez non plus. Ciao les potes, nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 3 de vos snaps de l'armée suisse. Alors, j'en ai pas mal. Du coup, on va faire le tour, on va voir les meilleurs. On est parti, mais avant ça, regardez ce décor. On est dans un décor des années 1950. À ce moment-là, ta grand-maman était dans la fougue de sa jeunesse, hein, je te le dis. Bon, c'est parti. On est parti pour le premier snap de la vidéo. J'ai nommé l'Kesh. C'est parti, mon kiki. Alors, les fameuses collectives de conduite, je précise, c'était pas moi au volant. Ah oui, alors on les connaît. Enfin, ils ont retourné la remorque du puche. Quel massacre, quel massacre. Directement, premier snap, c'est un puche qui a la remorque retournée. Ça annonce la couleur. On enchaîne avec l'ami Kevin. C'est parti, Kevin. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Montre-nous, Kevin. Qu'est-ce que... Ouh là là, c'est pas... Oh là 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 là, c'est parti. Pas le massacre. Vous avez niqué toute la vaisselle. Franchement, là, il y en a un qui est mort. Il y en a un, il s'est fait buter, là. Je vais vers ton sergent, chef ou je sais pas qui. Écoutez, on a pété la vaisselle. Quelle vaisselle? Toute la vaisselle. Même les petits couteaux que j'adorais. Même les petits couteaux que t'adorais. Putain, vous avez tout pété. Ah ça, mais... faire le vermisseau, là. Mais si tu me dis qu'il y en a un qui a mis une... Non! Non, le pire, car ça, ce sneaker. Oh, il avait... Oh, putain, puis en plus, il a pas les mains, vu qu'il est dans son asticot, là. Oh, le chaos. Bon, bah, on est bien. Un puche retourné, de la vaisselle cassée, des balayettes qui partent. C'est beau. On enchaîne directement avec l'ami Sydney. On est avec Sydney qui nous dit attention, attention. Putain de garde, 1h46, ouais, ça c'est chiant. Si c'est en ce moment ce snap, ben toute bonne chance pour toi. On enchaîne avec l'ami Giulio. Giulio, c'est pas quelqu'un qui va rigoler. Giulio, il est sérieux, il est là pour montrer du contenu. Un ami belge, les petites armes là, la Scarelle, c'est la Scarelle de Call of Duty. Ça c'est la Galil ça. Typique parlant, en termes d'armes de Call of Duty, parce que c'est vraiment ce qu'ils connaissent. Waouh, mais ça c'est la Galil. Ça chisse. Ah bah il y a des... Ça doit être... Démonstration de combat. Bon, un petit peu filmer les cailloux. Ça c'est cadeau. C'est les cailloux de Belgique, ça fait plaisir. Et on enchaîne directement avec l'ami Prum. C'est parti. Ouh là, où il y a des vidéos. Où il y a des vidéos. C'est parti pour Prum. Il nous montre le magnifique bonhomme de neige. Deux sections. Petite... Quel est le plus étrange pour vous en tant que des chèvres ou que cette position... En fait, on a déjà vu plus confortable pour dormir, hein. C'est plus classique de les laisser en bas, mais ça peut fonctionner, hein. On enchaîne avec Gilles Datola. Mais Gilles, on l'a déjà vu. Retour sujet. C'est le retour de la tête dure de l'armée suisse. Allez, passe les cakes avec la tête. Ça commence de casser. Oh, lui, il était de terre. Oh là là. Oh là là. Mais tu m'étonnes qu'il y a des assiettes cassées en cuisine après. S'il casse les pastèques à la tête. Ah, ils me font mal rien que de les voir. Et ça commence de mollir, de se ramollir. Oh, mais lui, il est de terre. Hein. Oh là là. Oh purée, donc si tu te demandes... Mais... C'est bizarre, ma pastèque, elle est quand même coupée étrangement. Franchement, les gars, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Zidane, il serait fier de vous. J'étais fier. Et c'est de voir ces images-là, alors que quelque part, c'était 23 mecs qui avaient fait leur boulot. On enchaîne avec Tenotorius SDK. Piquage au masque NBC. Oh, la course. Ah, pénible, pénible, les gars. Oh, dans la neige et tout. Force à vous.
C'est parti, on enchaîne. Le zombie 2002. Donc si 2002, c'est ta date de naissance, ce ne sera pas une vidéo de l'armée. Petite vidéo de tournage vidéo qui va bientôt sortir sur la chaîne UPV Urbex. Eh bien, je vous souhaite un très bon tournage et une très bonne vidéo. Voilà. On enchaîne. Seb, 89, 89. Ne jamais s'endormir en exercice. Visiblement, un soldat s'endormit en exercice, ça n'a pas l'air d'être l'arme. C'est des tenues très bizarres, c'est l'arme. Non, c'est pas l'arme. Oh putain, ça va tirer. Oh les pires. Eh les gars, vous y avez fait perdre 10 ans de sa vie. 10 ans de sa vie, il a perdu là. On enchaîne avec Thomas D. Salut, voici les conneries de l'armée française. C'est parti les gars. Ou la bataille de Polochon. En slip, ça on connaît bien. Pourquoi le gars était seul contre tous? Qu'a-t-il fait? Ouh, la vengeance, ça tape, ça tape. Oh. Celui-là, il passe, hein. Donc à l'armée française aussi, il y a des moments un peu hors du temps où tu fais un peu les cons, quoi. Voilà, voilà, ça fait plaisir à voir, mais n'oubliez pas que l'armée, c'est sérieux, s'il vous plaît. On enchaîne avec le Snapchat suivant, qui est le Snapchat de l'ami Colin, drapeau de l'Italie. Petit contrôle en chambre à Drognance Beach. Oh Drognance, si tu savais comme tu me manques. Ça, tu le sais. Ah bah ça a pas changé, hein. Un ordre en chambre parfait, des lits super bien faits, des sacs rangés, franchement. Drognance, vous êtes les meilleurs. École de section de la ville, vous avez clairement fait ça comme ça à l'improviste. C'est propre, hein. Ben franchement, très propre, hein. Si vous avez fait ça à l'improviste ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment très propre dans la ville, là. On est avec notre ami Luc Girard. Mais tu coupes comment? Mais c'est... La cuisine, c'est un endroit très dangereux, en fait. Je ne pensais pas que la cuisine était plus dangereuse que le cas des box. Il y a des gens qui cassent la vaisselle, qui s'éclatent la tête dans des pastèques et qui coupent faux le roast beef ou je ne sais pas ce qu'ils coupaient. Je peux te dire, comme il a posé le vin blanc, qu'il a dit que tu coupais faux, c'est que tu coupais faux. Hein. Nom de bleu, de nom de bleu. On est parti pour la suite, qui est Robin. Le char. Ah oui, la piste TCS avec les chars. Ça devait être quelque chose ça devait être fou, quoi. Je parle fort, c'est parce que le son est très fort dans mes oreilles. Génial. La la li la la la, et Liverpool ils ont gagné. La la li la la la, et Liverpool ils ont gagné. La 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 la, et Liverpool ils ont gagné. La 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 la, et Liverpool... On enchaîne avec le seul, l'unique Théo Ruffieux. Qui nous dit... Maman, c'est pas le moment, là. C'est parti. C'est pas si dégueulasse, hein. C'est pas si dégueulasse. Quoi? Lieutenant vainqueur de la course Mario Kart, ok. Mais non, mais des bananes. Je suis sûr que c'est la cuisine où ils se tapaient la tête avec les pastèques. Ils ont dit, j'ai des bananes en rab, on peut faire une course. Ouais, franchement, vous êtes géniaux. On enchaîne avec Lucas Roméo, écouteur. Attention, il faut les écouteurs. C'est parti. Je reprends le service le 23 juin, je t'enverrai des trucs choucards. Ça marche. Julien Halef, c'est parti. Quand tu traverses le couloir et que tu vois ça à 6h20, d'accord. Je suis d'accord qu'on peut se poser des questions. Il y a des trucs étranges quand même qui se passent sur ce Snapchat, hein. Vlado, c'est parti. Fais-nous rêver. Gros, très, très gros contenu, Vlado, qui a déjà participé. On retrouve les anciens trucs. Bon, si tu veux, j'en ai plein d'autres vidéos cool avec le char. Eh bien, Vlado, bien sûr qu'on les veut. C'est parti. On commence direct avec les vidéos de char. J'adore les tirs de char. Putain, mais je me crois dans GTA, là. Ça va chier.
c'est puissant, hein, quand même, les chers. Hein. On enchaîne. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont chanté la chanson. Tu sais très bien comment ça se passe. Tu vas en sortie, le train, il est calme, il est propre. Tu vois, les militaires, ils sont bien sapés. Tu reviens, c'est des militaires complètement désapés. Il y en a, ils sont torse nus. Il y en a, ils ont plus de béret. Et ça chante et ça pousse. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Bon, après, vous vous faites tous engueuler en rentrant parce qu'il y a eu le bordel dans le train, mais ça valait la peine. Ça valait la peine. On connaît. On enchaîne Shami Ofi. Ouh là, oh là là là. Ok. Mesdames et messieurs, là, ça veut que je dois me mettre en tailleur. Position pas du tout agréable, mais voilà, on est parti. Ça commence bien. Bon, déjà, sur l'ordi, ça dort. Bon. C'est vrai qu'on part bien. On a un blessé à la main qui s'endort devant son questionnaire. Alors, deux. Il y en a deux. Ça dort. On a humeur son normal. Déjà juste avec le casque, ça te met une tête comme ça, si tu mets un filtre, c'est plus possible, là, c'est plus possible. C'est quoi ça? Ta gueule, toi, là. T'es béraille, t'es là. Ouais, là, je suis camp. Il y a des fois, il n'y a pas besoin d'expliquer. Juste, prenez l'information. Cet homme a des lunettes à l'envers et un stylo sur le nez, et il est prêt. C'est le... C'est cet LM. Vas-y, continue. Il ne suffit pas de ressembler à cet LM pour faire du cet LM. Mario Kart, le retour. Il y a un mur. Oh, pour. Le sauvetage du camarade. On peut voir le sauvetage. Des fois, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'explication. Ah, donc c'est ça, Jurassic Park. Et c'est ça qui est passé dans le 20 minutes. Mais ils sont... Vous me foutez les larmes aux yeux, putain. Il y a la suite. Des génies, tous les gars qui ont fait Jurassic Park là, vous êtes des génies. J'avais pas vu ça moi sur le 20 minutes, j'avais pas eu cette information et je pense qu'elle était nécessaire pour moi. C'était génial, vraiment génial, franchement. Vous êtes de plus en plus géniaux dans ces snaps. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. N'oubliez pas d'envoyer des snaps sur Foltre Armée, hein, mais ne faites pas de conneries exprès pour. Je ne pense pas que ça vous est venu à l'idée, mais s'il vous plaît, l'armée c'est sérieux quand même. Vous pouvez vous blesser et avoir des... S'il vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque-là, n'oubliez pas de manger des patates et restez des bons gars. Parce que c'est important. Ah oui, c'est important.